Ah bah alors moi à la base un chabier comme ça tout simplement parce que bah j'étais un grand fan des Call of, jeux vidéo, et j'aimais bien ce personnage. Pourquoi, je sais pas, c'est comme ça, c'est un coup de cœur. Après pourquoi je viens ici habillé comme ça, bah c'est juste pour mettre dans la peau du personnage, pour pouvoir un petit peu changer de monde le temps d'une journée, oublier mes problèmes, m'amuser, voilà. Puis après bah, j'ai rencontré un autre cosplayer pareil qui débute. Et bah, du coup là on s'amuse ensemble, on sait prendre en photo par tout le monde. Non moi j'ai pas testé les jeux en fait, j'ai juste moi j'ai fait que me balader si on peut dire, j'ai pris beaucoup de photos, des choses comme ça. Je me suis contenté de regarder. C'est vrai qu'il y a une ambiance folle, c'est génial. Enfin moi j'y retournerai volontiers. J'y suis allé l'année dernière et je compte revenir l'année prochaine bien habillé pour perfectionner mon costume. J'essaye de m'habiller un petit peu comme la personne ici présente. Et c'est un personnage comme il vous l'a dit de Call of Duty. Et j'essaye de justement l'habiller comme ça. Mais cette année c'était un peu pour avoir un avant-goût aussi. Enfin voilà, après je vais perfectionner, j'ai pas les moyens pour l'instant, voilà. Ouais, j'étais un gros joueur avant sur Xbox 360. Je faisais des matchs en équipe et tout, mais là j'ai arrêté, je suis plus maintenant dans le divertissement en fait. Bah moi le seul truc qui serait bien sur internet, c'est vraiment qu'ils proposent plus de sondages, je pense, pour les joueurs, pour essayer de corriger certains problèmes des jeux qui au fil des années ils corrigent jamais en fait. Il y a des jeux qui ont toujours les mêmes problèmes et ça gâche le jeu. Donc pour moi ça serait vraiment des plus de sondages. Bon bah les gens, sur ce on vous dit au revoir. La Paris Game Week, tout bonnement magnifique. Je vous la conseille, revenez l'année prochaine. Nous on vous laisse, au revoir.